nom d'ancien publicémie. Une fois qu'on a fini, on enseigne dans ton carnet la fiche blanche là, tu ne vas pas avec. Donc même s'il oublie pour te donner, tu vas partir avec, tu déposes ici, tu vas seulement avec ton carnet. Avant de partir, te donne la documentation pour aller lire et puis te renseigner et attendre la conférence. C'est comme ça va se passer. Donc les premiers, vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Les premiers auront la documentation, ceux qui vont venir en retard. Et les documents même pour le diabète gestationnel, pour les femmes. Voilà, donc c'est comme ça. Tous ceux qui viennent. Et si c'est plein ici, il y a les chaises dehors pour attendre. Voilà. Mais c'est pourquoi il est là. Allez-y, vous la salle, il n'y a pas de problème. Le blanc qu'on a d'en haut, on a dû répéter. Je tenais d'abord à dire merci à l'amical des anciens enfants de plus de 44 ans pour le show, et puis aussi à l'association obésité, obésité diabète en Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'ancien enfant de tout colonel Aboudo, Aboudo Jaco, pour l'opportunité qu'elle nous offre afin de prévenir certaines maladies. Vous savez que l'hypertension et le diabète sont des maladies des tueuses. Silencieuse, et il était bon pour nous vraiment de faire dépister tout le personnel de l'EMPT, en commençant par les élèves, le personnel enseignant, le personnel civil, et aussi les militaires, pour prévenir ce genre de maladie. Et donc, nous avons accepté volontiers vraiment de faire ce genre de dépistage. Et nous saluons la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des personnels. Et nous appelons ici aussi tous ceux qui sont encore en retard à venir nous rejoindre afin de participer à cette vidéo. Nous avons souvent dans le programme d'activité extrascolaire de l'MPT des séances comme ça, non pas forcément de dépistage, mais des séances de sensibilisation à la prévention contre certaines maladies. Et par le passé, nous avons eu beaucoup de promotions, même des partenaires extérieurs qui sont venus faire des sensibilisations contre certaines maladies. Pas forcément le diabète et l'hypertension, mais d'autres plus aussi qui mènent la société. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand je vais parler,
Dès qu'il a dit cadavre, j'ai entendu dans l'assemblée. Mais je voudrais remercier au personnel encadrant qui s'est déplacé pour suivre cette conférence. Je remercie à vous, au personnel militaire également qui s'est déplacé. Et je voudrais enfin dire merci à tous les élèves qui ont effectué les déplacements pour écouter la conférence. Mais la journée se poursuit. Je pense qu'on sera tout à l'heure avec vous au réfectoire pour clore en beauté cette journée-là. Cela dit, je vous remercie. Voilà. Restez sur place rapidement, je voudrais qu'on peut-être venir à une dizaine. La promotion était autour de 100-105. On doit être au niveau de l'association, ceux qui sont retrouvés, on doit être autour de 40-50. Les autres ne sont pas venus, mais vous avez aussi leur bonjour. Et je vais leur transmettre aussi votre bonjour. Merci. C'est pour vous dire que la promotion ne meurt pas. Après l'école, la promotion continue de vivre. D'accord, à travers des rencontres, à travers des activités. Donc vos anciens de la 44 qui vous aiment fort sont venus aujourd'hui pour échanger avec vous, pour donner des conseils et puis faire des dons. C'est compris. Donc la promotion là, ça ne s'arrête pas seulement en classe ou bien juste au portail. Ça continue. Il faut avoir des liens de fraternité, des liens de solidarité. C'est compris. La photo avec les élèves enfants. Le colonel Tao, comme tu le sais déjà, cette journée a été consacrée à la 44. Et c'est en cela que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour mener un ensemble d'activités socio-économiques et puis procéder à la remise de dons à l'administration de l'UMPT. Et donc, il me plaît au nom de la 44 de pouvoir symboliquement sortir cet équipement sportif-là. Voilà. Et comme ça, avec le lot de chargé. Voilà. Je vais mettre ça en haut. Raison pour avoir les photos. C'est à mettre sur le front.